Alger capitale, au commencement des 60s, les pieds noirs quittent le navire, les colons terratisent. 1961, période estivale, c'est la guerre d'Algérie et son festival. Et son lot de discrimination, de torture, d'exaction, tout un ramassis d'ordures. Quelques degrés au nord de l'équateur, je quitte l'Algérie française, un pincement dans le cœur. Voici mon parcours, Ahmed, fils de Mohamed, gangréné du corps par la misère du Maghreb. Par les meurtres, les soirs de couvre-feu, par la peur du soldat français qui ouvre le feu. Ouvre les voiles, petit paquebot libérateur, emmène-moi au pays des emplois. Loin de l'inactivité beurre algéroise, loin de ceux qui transforment nos mosquées en paroisses. Basilique de Notre-Dame d'Afrique s'éloigne de mon regard lorsque les mouchoirs s'agitent. Verse une larme dans la Méditerranée, une goutte d'eau dans la mer contient la peine de ma terre damnée. Accoste à Marseille, port autonome, cité phocéenne, un étranger parmi les autochtones. Direction Saint-Charles, gare ferroviaire, embarquement quai 7, voiture 6, wagon fourrière. Croise le regard des îlotiers, me foudroyant le cœur comme un tir de mortier. Reçois la flèche de la haine par les appelés du contingent. Des papiers, je suis français, missieux l'agent. Chemin de fer, terminus, Paris, gare de Lyon, la métropole et son peuple par millions. Quelques dizaines de francs serrés dans un point, serviront de premier contact au café du coin. Moi qui cherchais de la chaleur, j'ai eu le sang glacé quand mes yeux rencontrèrent les leurs, couleur iceberg bleutée, bluffée par leur manque d'hospitalité. Ainsi sont-ils moralisateurs sans moralité. Démoralisé, je reprends le chemin, lequel me conduira dans les quartiers maghrébins. Nanterre, monticule de bidonville, habitation précaire pour mon entrée en vie civile. Je ne laisserai pas les tueurs du FLN faire la loi dans Paris. À partir de maintenant, pour un coup reçu, vous en rendrez 10. Ici, rien de bon pour les ratons, m'a dit le commissaire sanguinaire de mon canton. Après m'avoir uriné sur les mains, le gardien de la paix casse du cru au quotidien. 17e jour du mois d'octobre, le FLN a décidé de mettre fin à l'opprobre. En effet, le journal de la veille titré, couvre-feu recommandé pour les immigrés. Non, la réaction ne s'est pas faite attendre. Algériens de France dans les rues, nous allons descendre, protester contre leurs lois discriminatoires. Investissons leurs ponts et leurs centres giratoires. Embarqués dans un cortège pacifique, nous réclamons justice pour nos droits civiques. Mais la police ne l'entend pas de cette oreille. En cette période, nous sommes un tas de rares rebelles. Marchons en direction du pont Saint-Michel. Nous verrons bien quelle sera l'issue de cette querelle. Une fois sur la berge, j'aperçois le comité d'accueil qui souhaite faire de ce pont notre cercueil. Les camps s'observent et se dévisagent. Un silence de mort s'installe entre les deux rivages. Puis une voix se lève, scande à bas le couvre-feu et ouvre le feu. La première ligne s'écroule et commence la chasse à l'homme. Je prends mes jambes à mon cou comme un pur sang, je galope. Mais le pont est cerné, nous sommes bernés dans une prison sans pilotis, nous sommes enfermés. Pas une, pas deux, mais une dizaine de matraques viennent me défoncer le crâne et mes os craquent sous mon anorak. Ma bouche s'éclate bien sur les trottoirs, leur bouche s'esclave bien grande de nous voir. Nous allons voir si les rats savent nager. Au fond de la Seine, vous ne pourrez plus vous venger. Inconscient, gisant dans mon propre sang, les brigadiers en chef par tous les membres me saisissant. Amorce ma descente, là où passent les péniches, s'assure de ma mort, frappant ma tête sur la corniche. Je tombe comme un déchet au vide d'ordure, dans la chute, violemment ma nuque a touché la bordure. Liquide, poignardant tous mes orifices, le fleuve glacial, un bûcher chaud pour mon sacrifice. Monsieur Papon a jugé bon de nous noyer, aucun pompier pour étouffer le foyer. On n'éteint pas des braises avec un verre de gasoil, sans penser aux tirailleurs et combattants soifs. Mon cadavre, emporté par le courant, sera repêché dans les environs de Rouen. D'étranges nénuphars flottent sur la scène. Séquence long métrage, les yeux plongés dans la scène. Des cas des eaux pour les gens des humanes eaux. Déshumanisés, les basanés ne font pas de vieux eaux. D'étranges nénuphars flottent sur la scène. Séquence long métrage, les yeux plongés dans la scène. Un saut de piste dans lequel on noie des rats. Octobre noir, ratonnade sous les boulevards. Ici, rien de bon pour les ratons, m'a dit le commissaire Maurice Papon. 4 mois plus tard, on ratonne à Charonne, les crouilles et les cocos qui aident les bougnoules.
132 ans d'occupation française ont servi à remplacer nos cœurs par des braises. Algérie, en vert et blanc, étoile et croissant, devoir de mémoire grandissant, Djezaïr. À 20h45. Ouais, salut Medine, c'était Mélanie, Diams. Bah écoute, je t'appelais parce que je suis allé sur le forum du CSA, comme tu m'as dit, au sujet de ton album. Franchement, j'ai flippé. Franchement, c'est flippant comme certaines personnes peuvent être autant à côté de la plaque. Ils te prennent sérieusement pour un terroriste. On dirait que tu vas tout faire péter, tout ça. Bon, franchement, tu devrais leur faire un titre plutôt que de leur répondre individuellement parce que tu vas perdre du temps et comme ça, les prochains, ils seront avertis. Je sais ce que c'est, j'ai déjà reçu des mails assez bizarres, des gens qui pensent que j'ai des idées cheloues. Mais bon, je t'en transférerai quelques-uns, comme ça tu rigoleras un peu toi aussi. Bon, en tout cas, bon courage, vas-y, déchire tout et rappelle quand tu peux, ok? Ciao, à bientôt.